Quand nous réunissons comme communauté, nous avons des comportements différents. Comment on peut que qui trouvera la paix? Nous travaillons là-dessus. Mais sachez-le que sur la terre, il n'y aura pas la paix que nous aurons au ciel. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. C'est ce qui vous dit ça, vous trompe. Ou c'est lui-même est ignorant. Il ne connaît pas. Alléluia. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse 12. Vous prenez le verset 7e. Bonjour, verset 7. Celui qui est dans la page peut nous lire. Oh, il y a comme les cigares à Rokotaki la Bible. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et puis faire le chapitre 12 plutôt, verset 7. Les gens sont dans la distraction et une petite couac qui se passe dans la tête. Pas dans la distraction, il y a un mouké et l'équipe, elle est dans la distraction. Non, non, cette église-là. Nous partons là-bas pour avoir la paix. Donc, il y a un peu de temps qui me donne la émission qui me reçoit avant. Yoka, oui, c'est écoutez un peu là-bas. Et il y a une guerre dans les cieux. Il y a une guerre dans l'église. Et tout, mais ça n'a ma soeur, il y a une guerre où? Ma soeur, et tout, mais ça n'a qu'il à l'église Lycia. Na Lycia, l'église est tombée à Lycia. À Arène. Sur la terre. Na ma belle. Il y a une guerre où? Guerre, ça n'a qu'il y a. Et tout, mais ça n'a qu'il y a. Là où il y a des esprits. Bicycle, oh, il dit, moi, Dieu lui-même est esprit. Ouais, les anges sont des esprits. Bah, ah, mais il y a conflit là-bas. Mais conflit est côté libre. Ils ne mangent pas. Bah, ils ne portent pas des habits. Bah, ils n'ont pas besoin de voitures et bah, de maisons. Ils n'ont pas besoin, je ne sais quoi. Bah, ça, mais la Bible dit qu'il y a guerre aussi. Voilà. L'origine du combat spirituel. Les combats que nous connaissons sur la terre, ce n'est pas vous autres qui avons commencé. Si nous avons une petite incompréhension, ce n'est pas nous qui avons commencé. La Bible dit qu'il y a guerre aussi. Écoute, arrête un peu. La guerre là-bas, Dieu, écoutez-moi très bien. Et tout va l'icolo. J'explique un peu à l'icolo pour comprendre. Nzambe, na l'icolo. A quoi qu'il arrête, que guerre est salamate. Nzambe. Ce que vous avez, c'est que le pasteur a si l'isaba, incompréhension, et ça, quand il a battu. Est-ce que vous comprenez? Nzambe, Nzambe, Dieu. Azomona Michael et Negazuta, à côté de la assise à Malamo, à Tiki Bitumawane et continuer. Continuez un peu. Ce n'est pas dit que Dieu était impuissant. Ce n'est pas dit que Dieu n'était pas capable. Non! Mais la Bible va nous signifier pourquoi Dieu a laissé ces combats. Je vais pas donner mes propres idées. Mais la Bible s'interprète elle-même. Donc, Bible est après cette interprétation à Yamoumoko. Suivez-la. Michel fait ses anges combattir contre Michel. Mais je me demandais une fois, je faisais l'étude, je me demandais, mais ces anges-là, comment est-ce qu'ils ont suivi Michel? Je vais vous expliquer là où il y a la communauté, il y a un groupe. Donc, la vie de la communauté, il y a toujours eu des tendances. Donc, la tendance est là. Écoutez-moi, nous ne sommes pas au ciel. Au ciel, là-bas, il y avait des tendances. Les uns sont allés chez Michel, les autres chez le diable. Mais nous pouvons aller colo, tout le monde ne nous voyait pas à Michel, nous ne nous voyait pas à diable. Quel que soit ce que nous pouvons faire, attends, quel que soit la prière, quel que soit le diable, nous avons des sentiments, des émotions. Écoutez, parfois quand j'observe certaines choses, je vois quelqu'un défendre quelqu'un. La même chose s'est passé avec l'autre. Donc, ils ont dit que mon père n'est pas un dégoût. Elle ne défend pas celle-là puisqu'elles ne sont pas proches. Elle défend celle-ci puisqu'elles ont la tendance avec elle. Elles sont proches. Aïe, qu'on défend de eux, on nous soutient. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous comprenez? À cause de l'intimité, maintenant, toi qui es juste, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es dirigeant, tu dois te mettre au milieu. Parce que tout le monde voudra te tirer de son côté. Pour que tu prennes une décision de favoriser l'un ou l'autre. Je vous explique cela pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est l'Église. L'Église, Jésus a choisi des hommes et des femmes qu'il a mis à part. Alléluia. Amen. Bah, ange koutou. Baza entraîné. Vas-y tendance. Vas-y position ou quelconque. Continue un peu. Et le dragon et ses anges combattirent. Ils ont mis même le courage de combattre. Celui qui l'a créé, les a créés. Oui, continue. Mais ils ne firent pas les plus forts. C'est que j'aime à Dieu, mais il les laisse. Et là, on a ces ils savaient très bien qu'ils ne sont pas les plus forts. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Je vais les amener jusqu'au bout, puisqu'ils ne sont pas les plus forts. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi, le Dieu que tu crois, c'est le Dieu qui est plus fort que tous. Plus fort que toutes les puissances. Il est plus fort que toutes les manigances du diable. Mais pourquoi tu crains? Tu crains pourquoi? Alléluia. Mais quelque chose qui t'arrive, rentre vers Dieu. Puisque les combats que tu vas traverser, ou les combats que tu traverses, tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière. Ils l'ont connu. Ils le connaîtront et jusqu'à ce que Jésus reviendra. Ils ne sont pas les plus forts. Continue un peu. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Ah voilà maintenant pourquoi Dieu. Vous voulez créer des troubles ici. Que nous puisque le problème n'a pas eu. Ah, si ma bébé, si on va polluer. Place de Bango est à ce soir. Alors, si tu as dit que 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 tu as Lucifer signifie l'ange de lumière. Lucifer est l'ange que donc ange oh ya ya. Ce n'est pas pour rien que les autres l'ont suivi. Si c'était un simple ange comme ça, les autres ne pouvaient pas le suivre. Alléluia. Il était un ange fort aussi. Celui qui détenait la louange, puisque Dieu sait que Dieu est le maître.
C'est pourquoi il a osé. Comme il n'avait pas de place là-bas, le Seigneur a permis qu'il y ait un combat. Il y ait une guerre au ciel. Et pour que le ciel soit dégagé, que le ciel soit assaini, il a fallu qu'il y ait une guerre comme ça. Il fallait que guerre ça. Écoutez-moi. Il y a certains combats que tu traverses. Donc, ça va comment se zone. C'est seulement Dieu veut te prendre à un certain niveau pour se faire. Ou soit Dieu veut faire développer quelque chose en toi. Oui, puis on va le faire tout le monde. À moins que notre union se soit passée tout le monde. À tirer la leçon. Ceux qui ont tiré la leçon, c'est la même chose que vous avez mis là. La vie c'est comme ça. Mais ce qui est passé tout le monde, c'est ça. Laissons qu'on tire au long de niveau wana, au bas de la moune la matambo, n'engue moussousou. Au bas de la canise là, n'engue moussousou. Au bas de la agir, n'engue moussousou. Alléluia. Amen. Oui, continue. Il fut précipité, les grands dragons. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Quand il a été précipité. Si quand on a eu place, aye na ngoli susu wapi awanase me wana siko awanase moyo zosu ba ange zati ku basuba ku ina bango moyo zosu ba wana kuna ezati ku batika lipo basiba zu mayele aye ni biso bat siko mutu nyoso za na distraction celui qui sera dans la distraction choko entre celui qui finit par agir pour son cas. Pour sa cause. Donc, au côté de yo, Asaï n'a tiré la cause. Vous savez, celui qui, la première personne qui a tué quelqu'un, c'était des frères. C'était des frères qui sont venus de la même famille. Le même sang, Caïn et Abel. Et ils sont sortis de chez eux. Et non pour aller se battre. Ils sont sortis pour aller sacrifier, célébrer Dieu. Mais en arrivant là-bas, quand ils ont commencé à faire ce qu'ils ont commencé à faire, le sacrifice a été agréé à Dieu. Donc ça va se faire la voilà maintenant la haine commence à venir. La rancœur dans le cœur. Et quand le diable a vu cela, c'était la possibilité de manipuler, donc, de l'utiliser. Ça a été moyen à utiliser pour être à vous demander qu'on aille. Écoutez-moi, frère. Vous qui laissez les rancœurs dans vos cœurs. Yo, tu as la quête dans tes mains. Vous qui laissez la jalousie dans le cœur, faites très attention. Il faut au Keba. Puisque tu risques d'être utilisé par le diable. Donc, au coma élément, au faire quelque chose, faire quelque chose où tu vas regretter après. C'est quand Caïa avait tué son frère, après il s'est rendu compte. Quand Dieu l'avait interdit, ne faites pas ça. Dieu était, il a agi toujours. Donc, ça a été. Je ne comprends pas comment janvier, décembre. Tu peux opposer actuana muto comme on a passé yo sikomoni azui bon au sepeli au vandine. Ça c'est qu'on appelle en français le cynisme. Oh ba benga on a français cynisme ya bon. Tu peux pas avoir la compassion. Voilà ce que Caïn par erreur. Tala oyo Caïn a laissé son cœur. Que le diable puisse entrer. Voilà.
Entre frères maintenant, il y a un combat qui s'est fait. Si vous bandez, vous parlez, vous le petit frère avait confiance à son grand frère. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit, soyez prudents comme un serpent. Écoutez-moi bien, madame le Seigneur. Nous devons être prudents comme un serpent. Puisque la Bible dit ceci, l'ennemi de l'homme, c'est les gens de sa famille. Ne croyez pas toujours que l'ennemi viendra de loin. L'ennemi peut venir à côté de toi. Parfois, celui qui vient te conseiller. Judas n'était pas loin de Jésus. Judas connaissait partout où Jésus passait. Et c'est lui qui est allé prendre les gens pour aller tuer Jésus. Il savait là où se trouvait Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire ceci. Les combats spirituels que nous menons, la Bible dit combattez le bon combat de la foi. Ce combat spirituel là, ce n'est pas la chair et les os, ce sont les principautés, les puissances, les autorités qui sont dans les lieux célestes, qui peuvent vous manipuler, qui peuvent agir en vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été précipités sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Il guère au ciel. Et tout mes amis dans l'icône. Tant que nous sommes là. Et vraiment, n'a qu'un débat. Oui, mais tu vas pas soigner. Mais, soit tu vas soigner pour que vous vannes, c'est pas moi, vous avez un débat. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oh non, boy, boy, oh non, boy, au canard, tous à bananzambe. Quoi? Mais ce qu'on va nous sous, ce qui a bimi cacao. Alléluia. Na lola, tous étaient saints. Na lola, tous étaient qui pèto. Bitumba. Bitumba, bima kula na bati kuto na scène na église et ça maintenant. Et puis je vois très souvent par sur ma vidéo ndengo na pasteur pourquoi il yo kandenge ba ko biblia ngo yo ka ba vinde ke ko ça. Tout ce que l'église fait du bien. Ce que tu as envoyé na utala. Rien. Mais c'est mon rabbin de mon dimanche, mon dimanche, mon dimanche, tac, tac, tac. Oye bien, Zenatine de la yo, Zenatine. Vous croyez que vous êtes en train d'édifier les gens? Vous connaissez que vous en avez dit ça, Batou. L'autre a dit, c'est pourquoi je ne partirai pas aux églises, je reste seulement prier au téléphone. Vous savez, il y a un peu de temps dans l'église, il y a un peu de temps dans le téléphone à l'île. Jésus avait laissé, il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je laisserai le téléphone. Il savait très bien. Là où il y a les hommes, il y a des incompréhensions. Mais je vous ai laissé le Saint-Esprit. Si vous écoutez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous aidera à surmonter toutes ces faiblesses. Mais si vous ne voulez pas écouter le Saint-Esprit, vous voulez écouter votre propre chair. C'est ce que Caïn avait fait. Le diable est venu seulement l'aider. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y a guerre au ciel. Bien aimé. Bible le bête et tout, mais Zaki n'a l'icolo. Il guère au ciel. Et Zaki n'est tout mal l'icolo. Pourquoi? Puisque Michel jalousait Dieu. Pourquoi était. Michel, Archange Michel. Archange Michel. Il avait la jalousie. Il voulait devenir comme Dieu, Michael. Non, Satan, Lucifer plutôt. Lucifer, plutôt, excusez-moi. Je voulais parler de Lucifer. Lucifer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Jude. Là, je veux vous assurer maintenant. Et là, c'est un combat spirituel. Que nous combattons. Et la Bible dit que combattez le bon combat. Le bon combat que nous combattons. Et nous gardons notre foi. Si vous prenez le livre de Jude, Jude 3, premier verset. Donc, Jude 3, il y a quand même Jude 3.
Verset 9. Jude, il y a seulement un chapitre, Jude. Verset 9 de Jude. Avant Apocalypse. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est par avec vous à la fin. Non, Jude 9. Jude. Verset 9. Lorsqu'il contestait et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Les combats que nous menons sur la terre, les combats que nous livrons, et que nous disons qu'il y a des puissances qui sont derrière. La Bible dit que Moïse était mort, je vous ai dit la fois dernière. C'est Dieu lui-même qui savait là où était enterré Moïse. Personne ne savait là où on avait enterré Moïse. Mais comme le diable est esprit, lui aussi il a su là où on avait enterré Moïse. Il est parti là-bas prendre le corps de Moïse. Dieu ne l'a pas laissé. Dieu a envoyé encore Michaël. Yo bête qui est déjà pour la vie. Michaël, le roi bête qui est dans l'eau, la Nicolo. Alléluia. La Bible dit que le même combat qui s'est passé là-bas, il y a encore un autre combat sur la terre à cause du corps de Moïse. Écoutez, bien-aimé, je vous ai dit la fois dernière, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort mais de vivant. Jésus qui dit Dieu n'est pas Dieu de mort de vivant, vous êtes grandement dans l'erreur. Or, Dieu est souverain. Comment lui, le Dieu des vivants, il est allé combattre encore avec Michael pour un mort? Moïse ne pouvait plus parler. Il était mort. Sa conscience était morte. Elle ne pouvait rien dire. Mais Dieu a pris sa part. Puisque ce sont serviteurs. Moïse avait l'alliance avec Dieu. Avant qu'il meure, Dieu a fait l'alliance avec Moïse. Écoutez-moi, bien-aimé, à travers Jésus-Christ. Dieu a fait alliance avec nous. Quand Jésus avait levé la coupe, de vin, il a dit voici la coupe de la nouvelle alliance. L'alliance de ta vie, l'alliance pour tes enfants, l'alliance pour tes petits-enfants. Alors, si Dieu avait intervenu pour Moïse, à cause de l'alliance que Dieu avait avec Moïse, ce n'était pas à cause de la beauté de Moïse, puisque Moïse était déjà mort. Mais Dieu qui avait alliance avec lui, il est allé le défendre. Dans ce combat spirituel, Dieu avait défendu le corps des cadavres. Et maintenant, toi qui es vivant, or la Bible dit ceci, les miracles sont pour les vivants. Vous pouvez glorifier Dieu.
Dieu ne te laissera pas. Car Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai jamais. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pas les faiblesses que tu as dites. C'est les faiblesses là que Dieu te laissera. Il sait de quoi tu as été créé. Si tu rentres vers lui, tu te réponds de ce mal. Comme il t'a choisi, un homme qui a poussé Dieu de te choisir. C'est lui-même. La Bible dit ceci. L'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Ne dépend pas de celui qui veut. Mais de celui qui court. Mais c'est Dieu lui-même. Il n'a pas regardé ta beauté. Il n'a pas regardé comme tu es. Mais il t'a aimé comme tu es. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Faites tel que vous faites. Mais ne restez pas comme cela. Vous êtes tel que vous êtes. Alléluia. Amen. Voilà Dieu combattra pour vous. C'est pourquoi Dieu avait dit au peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils étaient poursuivis par Pharaon avec son armée. Il dit ceci. Vous ne craignez point. Ces Égyptiens que vous voyez, je combattrai pour vous. Seigneur, tu peux être dépouillé, tu peux te retrouver dans des situations difficiles, mais sache-le que Dieu n'est pas distrait. Écoutez, je vais vous dire, tout ce que nous faisons sur la terre n'échappe jamais Dieu. Amen. C'est pourquoi quand on a un ministère, moi, les Camerounais savent l'église. Ok, il y a la première santé. Moi, il y a la santé. L'église est au couche. Après, quand on a un ministère, on va comprendre que. Yes, on a couché avec l'église. On a couché avec l'église. On a couché. Donc, quelque chose de ce qui s'est passé, on a couché avec l'église. On a couché avec l'église. On a couché avec l'église. Alléluia. Amen. Papa Jean-Claude nous a dit vendredi, tu avais dit dans les livres d'Esaïe, si on forme un complot, cela ne vient pas de moi. Alléluia. Bien-aimés, ne faites pas de complot, bien-aimés, je vous conseille. Sinon, des lobbies dans autant pour bébana, et qu'on ne comme beaucoup de collègues à complot au salaire. Puisque celui qui sème le vent récolte la tempête. Alléluia. Si on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Il a dit que je ferai vos adversaires, vos marchepieds. Je vous ai dit le dimanche dernier, je ne crois pas
avec l'expérience, la petite expérience que j'ai faite. Plus ou moins plus de 30 ans dans le ministère. Je vous dis, je ne crois pas donc, que les gens agissent comme vous. Mais or, qu'est-ce qui se passe? J'avais écrit un cours sur les conflits. Les conflits naissent à partir des actes interactivités des hommes. Elle pense comme ça. Elle fait qu'on agisse comme ça. Moi, je pense comme ça. Comme nous sommes ensemble, personne ne veut céder la place à l'autre. Nos égos, c'est ce qui va nous pousser à la fin, personne ne fait la concession. Et cela donne naissance au conflit. Ce qui vous a s'agité, moi, arrêtant au bien avant. Donc, on a dégénéré, ce qu'on appelle est dégénéré. Quand ça va dégénérer, c'est fini, le conflit commence à grandir. Madame, il y a un Alléluia. Alors elle doit composer avec cette dame-là. C'est cette dame-là qui garde le personnage. Alléluia. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Il peut y avoir la guerre. Mais il peut y avoir des incompréhensions. Cela n'a pas commencé sur la terre. Mais cela veut commencer au ciel. Et si vous comprenez les choses comme ça, vous allez résoudre beaucoup de choses. Vous allez résoudre beaucoup de problèmes. En peu de temps. Nathan Mouké. Amen. Nous allons lire un verset, nous allons terminer par là. Il y a d'autres versets, mais nous allons lire ce verset-là, afin que nous terminions par là. Gloire à Dieu. Dieu avait laissé le peuple d'Israël pour qu'il soit combattu. Parce que cette génération-là ne connaissait pas la guerre.
Ils sont entrés dans le Canaan. Ils sont restés la bénédiction. Mais ils ne connaissaient pas la notion de la guerre. Dieu a laissé quelques nations. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous compreniez ces choses. Prenons Juges chapitre 3, verset 1 à 11. Juge 3, verset 1 à 11. J'ai lu au nom de Jésus. Voici les nations que l'Éternel descend pour éprouver par elles Israël. Écoutez, voici les nations que l'Éternel descend. Voici l'Éternel laissa des nations pour éprouver Israël. Israël, ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Amen. Il allait terminer toutes les nations. Écoutez, continue. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. La cause que Dieu a laissé toutes les nations et à Bobotungisaka Israël, cette génération-là n'avait pas connu la guerre. La guerre qui leur avait permis d'avoir cette bénédiction qu'on appelle Cana. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup de gens étaient morts. Il y a la génération de Josué et Caleb qui étaient restés avec ceux qui étaient nés. Donc, parce que la génération de Josué et Caleb, c'est Josué et Caleb qui ont vu toutes ces guerres. Josué et Caleb, les autres là sont nés en cours de route. Arrivé là-bas, ils ne connaissaient pas cette guerre. Donc, il y a une génération de Sikao qui a été mis dans la guerre. Oui, continue. Seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ah, arrêtez-vous là-bas, nous. Si on continue, c'est un peu trop long. Il dit, Dieu a laissé pour que ces enfants d'Israël là, qui n'ont pas connu la guerre, qu'ils connaissent que c'est que la guerre. Vous combattez contre les principautés et les esprits méchants. Ni même exhortation, yo ko ta ko la. Au nom de Jésus. Dieu leur avait laissé pour qu'ils apprennent que c'était la guerre. Vous savez pourquoi Salomon avait fait beaucoup de bêtises? Puisqu'il a régné plus de 40 ans. Alléluia.
Écoutez, bien aimé, ne soyez pas distrait. Le combat spirituel, c'est une réalité spirituelle. Une réalité qui existe. Et nous nous combattons pas contre la chair et le sang. Nous avons pris les exemples du peuple d'Israël, puisque ils combattaient dans la chair. Mais si vous continuez cette histoire, vous verrez que chaque fois, Dieu suscitait un libérateur. Et puis, l'Esprit de l'Éternel rentrait chez lui. Et l'Esprit de l'Éternel le permettait de gagner le combat. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le combat spirituel existe. Nous, quand tu es en train de me dire, tu as un peu de temps, tu as un peu de poison. Et pourquoi exister? Ma camamoukine. Dans ma continue à distraire, mon thème est bien collé. Timou Colom Soussou. Patience à mon appassé, à son appassé. Patience à ça. Et ça, la matinée. Ah, ok. Ça va vous passer. Mais il y a un look qui va moyen. Nous sommes là, nous sommes là. Timou Colom Soussou, Satan a même eu un cas. Vous vous rendez compte bien après. Que la bonne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Et soyez sages. La prudence et puis ça m'a aidé. Et la Bible dit, Bible là, j'ai laissé cette partie. Qui sont les véritables cibles dans ce moment? C'est pour suivre tout ce qui témoignait Jésus. Alléluia. Ce qui aimait Dieu. Mais j'aime le Seigneur. Puisque la Bible dit. Dans le livre d'Apocalypse toujours. Ils l'ont vaincu. À cause. À longa qui bango. À cause du sang de la Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu. Ce n'est pas à cause de leur force. Mais ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'Agneau. Le sang qu'il a versé. Voilà comment nous l'avons vaincu. Il a été vaincu au ciel. Quand il est venu sur le vaincre ici. Et Dieu a permis que nous puissions aussi le vaincre. Par le sang de Jésus Christ. Nous avons la victoire en Jésus. Puisqu'il n'a pas épargné sa vie. Il a livré sa vie. Pour que toi et moi nous soyons vainqueurs. La Bible dit ceci. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, je veux vous dire. Si Dieu nous laisse seulement, personne ne pourra résister contre le diable. Personne. Écoutez, Azate. Quand ça te que n'engi ozo vivre n'ozo kendele pour ça makasi na yo. Ça ngolu nzamba salio. Tant que comme ka faible, nzambe ayaka ko intervenir pour na yo. Même force ozo kan soza na ngo, l'aime soza na niveau ya élévation ya combat ozo bundate. Amen. Je vais terminer pour vous conseiller. L'Éternel a permis que nous soyons entre ses mains. Saisissons cette opportunité. Donc, tout saisit l'opportunité. Alléluia. Amen. Vous savez une reine, vous connaissez une reine qu'on appelle Vati. Moi, je suis une reine. Donc on a eu babali et naoua. Parce que mon coloroi, je sais, ça fait tabengi et paya à se contacter avec tout le monde. A boi, qu'on a fait, il y a un balo, à balaye, pas comme ma reine. Direct, il touchait ou quoi, là-bas conseiller.
Par conseil, il y a eu le temps. Non. Tu vois, ce que tu dis, moi, c'est au coup. Bah, sinon, c'est un mot pour la com'a dit le collier. Faut t'y cailler. Mais quand t'y cailler, cacaté, allons, on va payer, ré. Moi, si on a un peu qui t'es qui y est, qui voit et y a un bout dans ma famille. Vous comprenez? Que osa ici, à famille royale. Yé qui toko kakande mou te koti sa ki yé. A bo sa na ki. Ke a koki a longwa po a zo parteni na famille na par alliance. Tamou ba longo liye, le toye koumo na Esther a salini mi a ko. Pa mama, na li la yu sabino. Ki toko na binu bo koza na. Ndenge bo zali. Ndenge yo je ne sais quoi. Et il va me faire un temps d'apprécier. Ça va, naïe. Pour les gens, je vais me soucier de l'Esther. Bavandi. Bazo Zelaka. Vous comprenez? Bah, pour aider, il va me dire que je vais me faire un temps d'apprécier. Alléluia. Amen. Ton mari n'est pas acquis. Écoutez, battez la moi ta femme aussi n'est pas acquise. Et ça, il faut la protéger. Bata tester. Moi, si vous pas dit qu'il bat la neka, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi dit. Alléluia. Sokozana mobile, Fanganae. Mais Pasteur Moura Vitala, Sokozana église n'a bien à Yamalam, Madame le Moura parfaite, au Vandana. Bonjour, quand on est dans ce salino, au Vandana Bino, au Kosu, tout comme pour le Moussou, que le Mosse retrouve, place Moussou, au Bandit, au Bonas, au Boye, les Alati Boye, les hommes qui boye, Sokozana mobile, Nayo, quelle que soit ma faiblesse, Naye, Bandana. Quelle que soit moi, si n'a pas faiblesse, Naye, Bandana. Et ensuite, opportunité, on s'en va pécio. Saisir en haut et garder en haut. Parce que nous sommes pas plus une opportunité, voilà. Bah, et puis pour garder en haut, bah, et puis pour saisir en haut, bah, tiki, le gars, nous souvient, il faut qu'on voie à haut. Nous avons des combats, mais l'Éternel est avec nous. Amen. Soyons très prudents et très sages. N'entrons pas dans la distraction. Et le moment que nous sommes en train de passer, c'est le moment de prière. La prière ne place toujours que des habitumba contre Satan. Les habitumba, mon côté adversaire, à ouvrir l'année car quoi, ça m'a beaucoup aidé à aider. À raison que c'est la rabino. Tu crois que vous avez dit 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 que Satan a pensé que vous avez répondre, à vous répondre, de vous souhaiter que vous avez dit que vous avez dit. Mais ce qui est au petit, la Bible dit, ne laissez pas accès au diable. Alléluia. Taisons nos égaux. Respectons-nous entre nous, aimons-nous entre nous et vivons ensemble, car nous sommes des passagers sur la terre. Amen. Nous sommes pour une courte durée. Vanité de vanité, tout est vanité, poursuite de vent. Gloire, honneur, l'argent, les femmes, tout ça. Tout accompagner Bango, Tina Mikolon, Bonga Souka, Kenosanini, Bafem. Or, ils étaient des jeunes comme nous. Parce que Kola, tapé par Osala, Baso Pakola, va produire, puis on peut tous en Pakola. Baso Lata va chaîner au pistolet. Les lots sont comme un média, oh, comme que tu portes, tu dis, oh, 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 oh,
Alléluia. Nous sommes des passagers sur la terre. Quand j'ai revu encore ma maman, je l'ai regardée. Cette femme dynamique, forte. Moi, je vais casser. Comment ça va-t-il, Miracle au Congo? Au Congo. Au Congo, il ne s'en passe si fort. Plutôt qu'un hôpital, voilà, au Congo, Benza moyen. Et je le vois, une femme dynamique. Monter les escaliers, à ce qu'on monte les escaliers, on va y aller chuter. À combien de choses tu vas pouvoir? Je regarde comme ça, la taille là, non. Tu dois être humble. Alléluia. C'est ma propre mère, je la connais. N'a qu'il y a ma capacité, n'a zoomé si quoi, avec le temps, comment elle se dégrade, puisque l'âge. Alléluia. Ah, j'ai comme quoi avancer, résistance à Zalaki. Nous connaissons nos parents, nous tous. Je ne parle pas seulement de ma maman. Vous connaissez nos parents, nous tous. Vous savez, quand vous êtes jeunes, comment ils étaient dynamiques, tout ça. Mais maintenant, tu vois que ce n'est plus la même personne que tu as connue bien avant. Et maintenant, venez lui dire que, oh non, Denis Boye, Zongi Saboye, là, tu as ce qui s'y perd, ce qui n'y met. Je vais dire, mais c'est quoi? Vanité, je l'ai porté toute ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais maintenant je prépare seulement mon âme. La salle que nous avons au sein de la seconde, je me repose en paix auprès de Dieu. Oui, paix. Bien aimé, le combat spirituel est réel. Il y a aussi des forces qui nous combattent. Il y a des hommes qui sont utilisés par ces forces qui nous combattent. Mais ne s'entre pas dans la distraction. Mais qu'on dans la distraction. Alléluia. Ne laisse pas la rancœur ronger ton cœur. Alléluia. Mais relève toi comme un enfant de Dieu. Dis-toi que la vie continue. C'est pas la fin du mois. Nous allons nous mettre de côté. Gloire au Seigneur. Tu vas prier Dieu. Oh, bon de l'ensemble. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne la force. C'est la paix d'ensemble après son macas. Dans ce moment de combat spirituel que nous traversons. Dans le moment où il y a tout mon bonheur, tout son excellence. Que Dieu te donne la force. Ensemble après son macas. Que Dieu te donne la force. Ensemble après son macas. Que Dieu te donne le discernement. Ensemble après son le discernement. Pour comprendre vraiment quel est le vrai adversaire. Pour oyer ma pensa, n'annu asa mon bonheur na yo. Gloire au Seigneur. Dekotika kolela lela, dekolongola loboko na litama, pona yebi. Nos âmes, préserve nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la victoire que tu nous as apportée sur la croix, car tu as dit, j'ai vaincu le monde. Jésus, merci Seigneur, tu es les adeptes. Tu as déployé leur force sur la croix. Tu as rendu spectacle, oh Jésus. Merci, Père, tendre pour toi et réalisation. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Voilà, nous sommes entrés au mois de décembre. Seigneur, nous t'en supplions que tu nous gardes afin que nous terminions ce mois en bonté. Et la victoire nous soit accordée au nom de Jésus. Gardez nos enfants, gardez nos vies. Préserve nos travaux, préserve nos projets. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse alors.